La fin de saison approche, si vous voulez acheter des crédits pas chers et sécurisés, c'est dans le site buyfifacoins.com. Inscrivez-vous, suivez bien les instructions et n'oubliez pas le code Barry pour 5% de réduction. Lien et info dans la description. Salut tout le monde, c'est Barry, j'espère que vous allez très très bien. Premièrement, comme vous le savez, c'est l'Euro et il y a un Foot Champions en cours. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un Foot Champions avec une équipe de l'Euro tout simplement. Je pense varier les équipes à chaque fois. Et cette semaine, on a commencé par l'Espagne avec Raúl dans le banc. Je voulais acheter Xavi, mais il est indisponible sur PC. Il y a un seul qui est très cher. Dites-moi si ce concept vous intéresse. Pour moi, ça me donne envie de jouer à Foot Champions. Et non pas de faire Elite. Hein. Je vais faire hors 3, hors 2 maximum. On va pas se forcer du tout, c'est la fin de FIFA. Et le plus important, c'est de s'amuser, bien sûr. Au revoir, Davis. In-game, ça sera comme ça. Iniesta Amosé. C'est lui le meneur de jeu, le moteur de l'équipe. Javi Martinez en DC avec Hermoso. Rima Donavas derrière en goal. Et je pense qu'on va commencer comme ça. J'aurais dû mettre le maillot de l'Espagne. Faut pas faire à moitié là. Ça commence super bien. Elle va être un petit peu galère la défense. Hein. Oh, l'arrêt. Incroyable. Résiste. Il est trop fort les gars. Iniesta pour la passe D encore une fois, c'est incroyable. Alors Ashkit, c'était rapide. J'ai pris une déco pour cette défaite là. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. One hour later. Enfin, punaise. Vas-y, on l'achète direct. Il est un peu rare. Hein. Je peux pas le nommer Roja. Il est censuré, je sais pas pourquoi. Ça marche comme ça. Il a Buitrago, Grealish aussi. Parfait, Grimaldo. Je passe. Remets. Iniesta, let's go ça. Il est trop agile, c'est incroyable. Je vais te donner le bon numéro. Attends. Le centre, vers Torres. Incroyable. On joue comme l'Espagne, non? Bon, je les ai pas trop vus jouer. La défense, elle galère. Hein. Non, le poteau. Lorente, allez, cette fois tu marques. Merci. Il participe bien offensivement. On met Raoul dans la mi-temps. La talonnade, Iniesta but. C'est lui le capitaine normalement. Je sais que vous aimez les résumés, les gars. Lâchez un like. Allez, je t'ai vu. Iniesta. Parfait. Oh là là. Ça, c'est le beau jeu, les gars. C'est le beau jeu. Iniesta avec la volée. Non. Oh là là. Allez, Torres, de loin. Poteau, hein. Sinon, c'est pas FIFA. C'est pas possible. C'est pour ça que je termine pas les Foot Champions. Et parce que j'ai pas trop de temps. Morata, let's go, sous pression. Lorente, bien joué ça. C'est défenseur non méta, c'est très difficile de jouer avec. Très très difficile. Bien joué. Il jouait très sale le mec. Il avait beaucoup de chance. C'est pas grave. On a quoi maintenant? Vas-y, gameplay commence à s'alourdir maintenant. Ça donne pas envie de continuer. Iniesta, let's go. Il est là. Oh, le tac. Bien joué. C'est Iniesta, le capitaine, le maestro. Regardez-moi cette passe entre les deux. Tu peux pas l'arrêter. Sa carte, c'est quelque chose. Et vas-y. Non. Let's go, dernière minute. On est le dimanche les gars et on va continuer notre beau Foot Champions avec cette équipe de l'Espagne. Et la Cruyff, Gnabry, Eto, belle équipe. Non. Quelle action les gars, quelle action. C'est ça le beau jeu, mais c'est quoi cette finition? Nice. Nice. Quand ça glisse, c'est toujours la catastrophe. Hein. Parfait, Morata, let's go.
Esco Raoul. J'ai exploité son tir en finesse, les gars. Oh là, le tacle Martinez. Victoire très difficile, hein. Et cette barre de ping là, elle veut pas y aller. Et ça continue. Je pense qu'on va perdre celui-là. C'est très 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 lourd. What? Je pouvais pas l'arrêter, c'est pas possible. J'étais de fond deux fois. Mais non, Morata, c'est quoi cette puissance? Merci! C'est pas possible ce jeu. Non, il a utilisé le geste là. Mais non, le lago bon moment, c'est pas possible. C'est à ce moment-là que ça commence à être frustrant, vraiment. Oh là là. Accélère, mais punaise. Ah, GG. Je suis de retour. Cette fois, j'ai une nouvelle recrue, les gars. Qui est-ce, bien sûr? Xavi, les gars. Avec 4 étoiles de technique, 3 étoiles mon vieux pied. Élevé, élevé. Je crois que je vais le jouer en MC, celui-là. Allez, on continue notre route, notre beau foot champions. Et franchement, les gars, ça va bien. Ça va très, très bien. Je pense faire d'autres concepts comme ça. Ça me donne envie de jouer, en fait. La barre ne veut pas y aller. On va s'arrêter à R3. Xavi qui rate une passe, vous savez direct que le gameplay... C'est un sketch, les gars. Waouh. Waouh. Zéro occasion convertie, on s'arrête ici hein, pour aujourd'hui. C'est le temps des adieux, les gars. Je crois que je vais vendre Babou, l'un des meilleurs défenseurs que j'ai pu tester cette année. Hein. Enfin, j'ai vu un plan pour améliorer l'équipe, là. Ouais. Sinon, les gars, on va gagner tous les matchs, maintenant. Parce que l'icône a disparu, enfin. On va essayer de faire acheter tous les gens. Oh, Xavi, merci. La belle protection de Morata, et la tête de Morata, et le but de Morata. Ça, c'est bien. Mais en vraie vie, c'est pas pareil. Oh là là, c'est bien joué, ça. C'est bien joué. Mais bien sûr, Xavi avec le but. C'était propre. Ça joue bien maintenant, hein, sans l'icône du lag. Et le troisième but qui va venir dans quelques instants. Oh là là, Iniesta. Le 4-0 et le rush kit, merci beaucoup. Ça m'économise beaucoup de temps là. Enfin un beau tir d'Iniesta. C'est quoi ça? Il veut faire rentrer 3 remplaçants en première minute lui ou quoi? Xavi bien sûr avec interception et la belle passe. Et le beau tir et la belle finition, incroyable. Et le rush kit. C'était rapide, c'était rapide. C'était rapide. Et on aime voir ça. Oh les deux buteurs turcs. Yazici et Yilmaz. Les gars je veux bien acheter un Hazard. Xavi avec la passe, c'est propre. Merci, hein. Bien joué ça. C'est l'Espagne, hein. Avec les passes ultra précises. Iniesta Xavi. Oh non, j'ai raté. Allez, la tête! Non! Oh là là! Les passes d'Iniesta, les gars, c'est quelque chose, hein, moi je vous le dis. Passe d'Iniesta, oh là là! C'est un kiff, les gars. Je commence à mieux utiliser le R1. J'ai vraiment arrêté de l'utiliser dernièrement et ça aide beaucoup, hein. Avec les bons joueurs, bien sûr. Je crois que je le répète un peu trop, mais c'est vraiment un monstre Iniesta. Allez, le rush kit. Troisième rush kit de suite. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, mais honnêtement, les gars, je veux bien terminer un foot champions complet avec cette équipe, hein, à ce point-là. Parce que c'est vraiment un kiff de jouer avec. Et malheureusement, on va enlever Xavi, qui a été très très bon sur les 3 derniers matchs en MC. Il intercepte bien, il monte, il descend avec LV, LV. Mais voilà, vous faites Xavi pour le joueur, non pas pour la carte. Bon, pour moi, c'était pas vraiment comme Iniesta, quoi. Belle team, belle team. Incroyable. Cette technique, elle marche toujours. Appel dirigé vers l'arrière, passe puissante, et ensuite, tu finis. Ou bien tu dribbles. Martinez. Non, non, non. Oh là là, j'ai pas de chance. Il est chiant, lui, avec les contres. Torres.
Incroyable. Je sais pas pourquoi il jouait pas du tout comme ça quand je l'avais. Mais maintenant avec l'équipe d'Espagne, il performe très très bien. Torres, ça fait plaisir. Il est de retour Torres les gars. Heureusement que je l'ai pas mis dans un SBC. J'étais à deux doigts de le faire. Belle passe. Torres qui fait kiffer. Let's go. Oh là là. Oh le tacle. Allez le contre. What the fuck. Non. Quel dégagement pourri de ma part. C'était un très bon match, bien joué adversaire. Malgré qu'il a marqué qu'avec des contres, mais j'ai pris des plaisirs. C'est le plus important. Très belle défense, surtout la défense centrale. Non. Oh là 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 là. Si ce n'est pas le beau jeu, c'est quoi? What? Ah, bien joué. Let's go, Torres. Let's go, belle finition de Llorente. Oh la Red au Black. Morata, c'est ton moment. Merci beaucoup. Merci. On joue contre un Twitcher. Il s'est fait humilier en live, le pauvre. Oh, le tir d'Iniesta. Enfin, un beau tir de loin. Quel régal. Et on joue contre le même. C'est pas possible. Pas d'enjeu. Iniesta avec la croquette. Bien joué, bien joué. Non. Oui. Le premier but dégueulasse de ce foot champions. Ok, on prend. Trop agile. Merci Iniesta. Un petit arrêt pour déstabiliser l'adversaire. Oh l'arrêt. Il le rattrape direct. Oh merci. Très agressif, j'aime bien. Hein. Yo. L'originalité va gagner dans ce match. Oh, s'il a pas fait le geste là, il allait marquer le con. Lolo. Torres, les gars, Torres. Et petite anecdote, c'était l'un de mes joueurs préférés à l'époque. Et aussi l'un des seuls que je connaissais. Que des rage kits de cette soirée, ça fait plaisir. Torres avec 3 buts. Je voudrais bien tester le Sanchez. Nice, à défense. Hein. Non, oh 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 là 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 là. Et c'est pour ça que je l'ai enlevé de l'équipe hein, en fait. Non, Morata. Tu sors. Les gars, pour le prix, il est bon, mais parfois il te fait des trucs. Propre de ouf. Oh là là, les ratés, les gars, les ratés. Let's go. Allez, bye bye. Je vais
Je vais aller dormir, hein. Je vais pas perdre contre celui-là. C'est la fin de ce foot Champions, les gars. J'espère que vous l'avez aimé quand même. Malgré que j'ai fait rentrer Davis, hein. Non, plus sérieusement, les gars. J'espère que vous l'avez aimé. On passe maintenant au bilan de l'équipe. Et on va parler un petit peu de chaque joueur. 14 victoires, 5 défaites, on va dire 2 sur les matchs qui avaient pas la barre du ping. Bref, on va commencer avec le gardien. Franchement, les gars, il m'a surpris, hein. Mais il a besoin d'un boost. Et dommage qu'il performe pas trop dans la vraie vie. On a Martinez qui a été solide. Des fois sur l'accélération et la réaction in-game. Hermoso aussi, il défend très très bien. Fernando Hierro, la surprise de ce Foot Champions. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait être aussi fort en MDC. Il est toujours dans la bonne position, là pour intercepter, là pour gêner l'adversaire avec son énorme gabarit. La vitesse, j'ai pas trop remarqué en fait, mais parfois il mettait un peu de temps pour démarrer, c'est tout. Hein. On va vendre toute l'équipe bien sûr, malheureusement. Iniesta c'est quelque chose, hein. Que des top buts. Je sais qu'il a raté quelques-uns, mais il aide vraiment, vraiment beaucoup en attaque. En construction aussi. Morata aussi, pas très lourd in-game. Ça, c'est le point positif. Mais niveau tir, il est pas... C'est comme la vraie vie, en fait. Parfois, il te marque. Parfois, il te rate beaucoup. Mais grosso modo, il est très bon. Hein. Surtout avec le combo de la vitesse, le positionnement et le physique. Et la tête. C'est ce genre de joueur. Double 4 étoiles. Torres aussi, c'est une surprise parce que voilà... Au début, il était très fort. Après, il me ratait beaucoup. Et après, il est redevenu très fort. Et Raoul. Franchement, les gars, je ne l'ai pas trop vu présent dans le jeu. Surtout offensivement, je l'ai joué en buteur. Mais en amorcé, je pense qu'il jouera mieux. C'est un joueur moyen, à mon avis. Il ne mérite pas tous ces crédits-là. 200 000. Juste pour le nom. On va vendre tous les joueurs échangeables de cette équipe. Franchement, c'était un kiff. De jouer posé. Cette équipe m'a changé mon style de jeu, en fait. Et en même temps, j'ai pris du plaisir à jouer avec. En testant de nouveaux joueurs, c'est toujours bien, en fait. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Lâchez votre like, abonnez-vous si vous êtes nouveau et on se voit très bientôt pour une nouvelle. Ciao tout le monde. Et de record, 14 bien sûr.